Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler Abby Pack de nouveau et je vais vous faire mon propre interview. Donc ça va évidemment pas être la même forme que les autres interviews que vous avez pu retrouver sur la chaîne. Je vais faire sous forme d'un top 20 des choses que j'ai appréciées ou non en Abby Pack pour donner un avis critique dessus. Enfin, c'est pas critique dans le sens négatif, c'est critique dans le sens positif et négatif, c'est-à-dire donner un avis critique. Pour chaque point positif, il y aura un point négatif que je vais dire pour être un peu plus nuancé que dans le documentaire qui donnait quand même une vision plutôt positive de l'Abby Pack. Même si, évidemment, il y a des points positifs, mais il existe aussi des points négatifs, et je pense que c'est bon de les savoir avant de rentrer dans la section, tout simplement. Évidemment, c'est mon avis personnel sur tout ça, c'est mon expérience que j'ai vécue, et ça veut pas dire que tout le monde l'a vécu comme ça du tout, ça veut pas dire que si vous rentrez en Abby Pack, ça sera forcément comme ça du tout, c'est juste mon expérience à prendre pour ce qu'elle est, mais je trouve ça quand même intéressant de dire tout ça. Premier point négatif que j'ai envie d'aborder, il n'y a pas d'échange entre les niveaux. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'en rentrant en Abby Pack, on nous dit que c'est comme une grande famille, toutes les secondes, premières, terminales, ils sont mélangés, tout le monde se connaît, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Moi, j'ai jamais parlé à des premières ou à des terminales quand j'étais en seconde, ou même à d'autres niveaux, avant cette année et avant le documentaire où j'ai eu l'occasion d'aller dans les classes, etc. Mais sinon, avec le lycée, il n'y a rien qui est organisé entre les Abby Pack. Il n'y a pas d'événements qu'on fait en commun, il n'y a même pas un goûter commun au début d'année pour que les trois se connaissent, non, pas du tout. S'il y a des dynamiques entre les niveaux, ça va se faire au niveau des internes, et ça va passer par les internes principalement, qui vont se connaître parce qu'ils sont tous à l'internat, et donc ils vont entraîner les personnes qui sont pas internes mais amies avec elles à connaître les autres. Mais sinon, si on n'est pas spécialement amis avec les internes ou si on n'est pas dans le noyau Abby Pack, on va dire, bah en fait on n'a pas l'occasion de voir d'autres gens, des autres classes, et ça je trouve ça vraiment dommage. La seule truc qu'il y a eu, c'était une photo commune, parce qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup insisté pour la voir, alors que typiquement une photo avec les trois classes Abby Pack, ça me semble quand même la base, mais apparemment pas. Voilà. Ensuite, le top 10 positif, c'est le documentaire. J'avais évidemment envie de le placer dans cette vidéo parce que pour moi, ça a vraiment incarné mon Abby Pack. Ça a été de faire ce projet documentaire et ces interviews sur l'Abby Pack. Ça m'a donné une vision beaucoup plus large de ce que c'est. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses et de les retransmettre. Ça m'a évidemment pas permis de m'épanouir au niveau audiovisuel, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'Abby Pack. Mais en tout cas, ça m'a aussi permis de parler avec plein de gens par rapport au point précédent. C'est par le documentaire que je suis arrivée à parler à des premières et à des secondes, quand j'étais donc cette année quand je suis en terminale, et qu'aujourd'hui je parle de temps en temps encore avec certaines secondes, j'ai gardé le contact. Et ça, ça aurait pas été possible sans le documentaire en fait. Donc le documentaire a vraiment été quelque chose de très positif pendant mon expérience à Abby Pack. Voilà. Ensuite, le prochain point négatif, c'est qu'il n'y a pas de dynamique au sein du lycée. C'est un lien un peu avec ce que j'ai dit avant, mais il n'y a pas de club d'allemand ou même de club en allemand ou avec le lien en lien avec l'allemand. En général, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs hein, et qu'il n'y avait pas une très forte vie lycéenne, pas très développée. Pourtant, j'étais impliquée dans des clubs, hein, mais j'ai pas trouvé ça très dynamique en fait, en général. Donc encore une fois, je sais pas ce qui est lié à mon lycée et ce qui est lié à l'Abby Pack, mais je donne mon expérience. Et donc l'allemand n'a pas la place que je m'attendais à ce qu'elle ait dans le lycée en fait. Parce que je me suis dit que si c'était un lycée Abby Pack, qui en plus est censé être partenaire avec un lycée en Allemagne, ça on en reparlera plus tard, l'allemand devrait avoir une place plus forte en fait, vu qu'en plus il y a des sections euro, il y a l'Abby Pack, il y a tous les LV2. Et bien en fait, pas du tout. Il n'y a pas de, je sais pas, d'encart allemand sur le journal du lycée. Il n'y a pas de site internet ou je sais pas quoi. Il n'y a rien en lien avec l'allemand en fait dans le lycée.
Toutes les personnes qui font pas Baby Back, en fait, ils voient pas qu'il y a une chose spéciale qui se passe. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça permettrait de promouvoir cette langue et de au moins la faire connaître un petit peu aux personnes qui sont même pas en Baby Back. Et donc, ouais, il n'y a pas de dynamique au sein du lycée et ça, je trouve ça très surprenant et vraiment dommage. Ensuite, je voulais dire quand même qu'il y a une dynamique au niveau national. Elle n'est pas très développée non plus, mais elle commence. Et je trouve ça quand même très très positif qu'il y ait un réseau à BUAC. Donc c'est tous les profs d'histoire géo, enfin je sais pas s'ils ont tous, mais en tout cas beaucoup de profs d'histoire géo ont créé un réseau pour représenter tous les ABIBAC de France. On en a parlé dans le documentaire et dans l'interview avec Madame Nogared, si vous voulez aller la voir. Il y a ce réseau-là qui organise des conférences en lien avec la BIBAC un peu plus, les conférences orientation, même si je pense que la conférence orientation du réseau à BIBAC, ou par exemple celle qu'on a fait au sein du lycée avec les anciens élèves, ça peut intéresser des gens qui ne sont pas en BIBAC. Mais ça reste des choses à la base prévues pour la BIBAC et ouvertes aux élèves d'ABIBAC, et ça je trouve ça vraiment très très positif, notamment l'existence de la revue aussi. Je sais pas si j'en ai encore vraiment parlé sur cette chaîne, mais il y a une revue ABIBAC qui existe qui parle du franco-allemand en général, que ce soit de l'histoire, de la politique, de la géographie, de l'actualité, et évidemment de l'ABIBAC aussi, mais pas que. Et du coup ça, je trouve ça vraiment positif, et j'espère que ça continuera dans le futur et que ça se développera beaucoup plus, parce que c'est vraiment un bon point que ça existe. Numéro 8 en négatif. L'organisation. Alors ça, encore une fois, je sais pas ce qui est dû au lycée ou à la BIBAC, mais j'ai trouvé, c'est un peu en lien avec le point précédent, mais on n'était pas, il n'y avait pas une bonne organisation, j'ai trouvé. Par exemple, pour les bacs blancs, on n'a pas eu de bac blanc officiel pour préparer l'abitour. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre que ce soit pas aussi intégré dans le lycée, ça revient au point précédent, mais là, c'est beaucoup plus au niveau administratif ou quoi. On n'était pas pris en considération, et si certains parents d'ABIBAC au conseil de classe n'avaient pas posé des questions, n'étaient pas allés voir le proviseur et tout, on n'a pas forcément l'impression d'exister en tant que section particulière, contrairement par exemple au tchèque où il y a beaucoup plus de choses, et ça je trouve ça vraiment dommage. Ou par exemple aussi, on a une assistante allemande, et ça c'est très très bien, et je vais en reparler dans le point juste après. Mais ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'on ne tire pas assez parti des opportunités qu'on a. Déjà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, mais les opportunités qu'on avait, j'ai trouvé ça pas forcément très bien organisé. Ouais, bah tout simplement, on ne tire pas parti de ça. Par exemple, l'assistante, j'ai trouvé ça pas très bien organisé, ce qui fait qu'au final, on perd du temps et on ne tire pas assez parti de ça. Donc ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Et du coup, parlons de l'assistante en point positif. Ça, c'est vraiment bien qu'il y ait des étudiants allemands qui viennent. Donc des assistants de langue, hein, y a ça aussi en anglais. Mais ça, c'est tellement bien de pouvoir voir l'allemand avec directement une allemande. Et de pouvoir s'entraîner à l'oral aussi avec elle. Donc même si je trouve que ça n'a pas forcément été très bien fait, ce qu'on a fait avec elle, j'ai trouvé ça quand même très bien. Le fait d'avoir une assistante, c'est très bien. Voilà. Ensuite, numéro 7, on ne parle pas assez allemand. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est que on parle beaucoup, beaucoup français. Hein. Vraiment. Que ce soit même entre les élèves, je veux dire, pendant les cours d'allemand, quasiment... À part avec certaines personnes où j'arrive à parler allemand, mais sinon on parle tout le temps français. Et même avec les profs, la dernière fois j'ai écrit un mail à ma prof de littérature allemande, j'ai fait l'effort d'écrire mon mail en allemand, elle m'a répondu en français. Et ça serait jamais passé avec une autre prof que j'ai en anglais, c'était que de l'anglais avec elle, parce que bah, c'est ma prof d'anglais, donc voilà, je trouve ça logique. Alors que là, c'était même pas juste ma prof d'allemand, c'est vraiment ma prof d'allemand à BIBAC. Et ben, c'est pas le cas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que l'allemand ne devienne pas tant que ça une deuxième langue, en fait. Parce qu'on dit ça, au final, ça va devenir comme le français, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas, parce qu'en final, on utilisait toujours le français en priorité. Et même si, des fois,
Il y a des fois où on a parlé un peu plus allemand, etc. Mais au final, en terminale, on parlait pas tant allemand que ça. En cours. Évidemment, les cours sont en allemand, enfin, la prof parle en allemand. Mais des fois, même les élèves posaient des questions en français et ça gênait personne. Et moi, je trouve ça incroyable qu'on puisse faire ça en terminale bi-bac. Et qu'on fasse ça en seconde, c'est normal parce que c'est la transition. Mais en première et en terminale, voilà, moi ça m'a vraiment. J'ai trouvé ça vraiment un point très négatif parce qu'on peut pas apprendre une langue si on n'est pas plongé dedans. Et voilà, pendant ces 11 heures-là, j'ai pas trouvé qu'on était tant plongé que ça dans la langue. Point positif, ça nous offre des opportunités de malade. Je m'en rendais pas compte avant qu'on parle de l'orientation, qu'on regarde le post-bac, etc. Mais en fait, c'est vraiment différent d'une section normale et on s'en rend pas compte. Mais déjà, juste l'opportunité que ça nous offre d'avoir 11 heures dans son cursus, quand on commence à s'intéresser aux langues et à apprendre une langue, on voit à quel point ça monte vite les prix si on veut prendre des cours tout seul. Et 11 heures par semaine, c'est énorme. Et donc, c'est vraiment une opportunité très très grande de pouvoir faire un bi-bac dans son cursus scolaire et d'avoir autant d'heures d'allemand. Et au niveau supérieur, au niveau des études supérieures, ça nous offre aussi des opportunités plus tard. Et je peux pas dire si j'ai été pris dans une grande prépa pour ça ou pas, mais en tout cas, au niveau personnel, je me sens beaucoup plus prête à aller dans une prépa parisienne maintenant que j'ai fait bi-bac que si je l'avais pas fait, parce que le rapport au travail est aussi différent. J'en viens au point numéro 6 négatif, qui est la perte de temps dans les cours à bi-bac, certains cours à bi-bac, puisque nous avons 11 heures par semaine, ce qui est énorme, mais on ne profite pas autant qu'on pourrait de ces 11 heures, à mon avis. Et il y a beaucoup, beaucoup de fois où on a perdu du temps, beaucoup. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage, parce que ces cours-là, on les a qu'une fois, et c'est vraiment dommage de pas en tirer parti autant qu'on pourrait. Voilà, ça c'est en général à l'école française, j'ai trouvé, par rapport à l'école allemande, mais dans certains cours à bi-bac particulièrement. Et ça a vraiment un peu gâché mon expérience en littérature notamment, et ce qui sera le prochain point négatif. Avant ça, un point positif qui est l'ouverture d'esprit que ça représente, hein. Parce que être confronté à si forte dose à une autre culture, ça fait qu'on est beaucoup moins dans le jugement, en tout cas moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup ouvert l'esprit d'apprendre une nouvelle culture par rapport à ma culture à moi. Et ça, c'est très, 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 très positif. Et même au niveau de la langue, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup moins dans le jugement, même que ce soit dans l'orthographe et tout, même en français, en fait, par rapport à quand j'étais plus petite. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Voilà. Au point numéro 5, qui est donc la littérature, comme je vous l'ai dit, parce que les cours les moins efficaces, c'est les cours de l'été, où c'est très très long, très très rébarbatif, parce qu'on va répéter, re-répéter, re-répéter la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup, moi, ça m'a ennuyée beaucoup. Déjà que la litté, c'est pas mon truc à la base, mais là, j'ai trouvé ça vraiment particulièrement long parce qu'on avait 6 heures et du coup on prenait bien le temps pendant les 6 heures. Et ce qui fait que des fois, on partait chez l'assistante pendant 15 minutes, une demi-heure, je revenais dans le cours, j'avais l'impression que ça n'avait pas changé, qu'on en était toujours au même endroit qu'avant que je parte. Ou même des fois, j'ai été absente pendant des sessions de 2 heures, je reviens aux 2 heures d'après, j'ai pas de problème à. J'ai même pas besoin de rattraper en fait, parce que le cours d'avant, on a fait la même chose, et le cours d'après, on refait la même chose, c'est très très long. Et ça c'est vraiment des heures difficiles pour moi, par rapport à l'ennui en fait que ça représente. Et voilà. Donc ça, c'était un gros point négatif pour moi.
malheureusement. Aussi, le truc, c'est qu'on a 6 heures, mais normalement, alors en tout cas dans mes recherches pendant le documentaire, j'ai vu que c'était censé être 6 heures de culture, littérature et langue. On n'a fait que de la littérature. On n'a pas fait de culture et on n'a pas fait de langue, du tout. Langue un tout petit peu, mais c'était vraiment pas ouf. Et la culture, non, quasiment pas. Et ça, ça c'est vraiment dommage. Vraiment dommage qu'on fasse que de la littérature. Alors qu'en plus, j'ai découvert, pareil dans le documentaire, enfin pendant mes recherches pour le documentaire, que normalement, à l'abitur, on a une épreuve de littérature et une épreuve de civilisation, et on choisit en fait entre les deux. Et donc après, quand j'avais demandé à ma prof de l'IT si on pouvait faire des trucs de culture, on m'avait répondu, enfin elle m'avait répondu, ben en fait tout le monde prend de la littérature, donc on va pas faire de la culture. Ben oui, mais si on fait pas de culture, on va pas prendre la culture, forcément, enfin c'est logique. Si on n'est pas préparé, forcément on va prendre la l'IT. Mais du coup après on fait de la l'IT, du coup c'est un cercle vicieux en fait, donc voilà, ça, la l'IT pour moi c'était vraiment compliqué. Surtout qu'en fait j'avais l'impression que c'était un peu tout le temps qu'on passait dans un texte, à comprendre une page d'un texte. Si on avait passé ce temps-là, disons sur 6 heures, on passe 3 heures sur la langue allemande à nous améliorer en allemand et 3 heures sur analyser la page, ça ferait que l'analyse serait beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, le problème, souvent, c'était pas la littérature, c'était l'allemand en fait. C'était tout simplement que c'était du vocabulaire trop compliqué, qu'on comprenait pas les phrases ou quoi. Et s'acharner à passer 6 heures sur une page alors qu'à côté, tu parles pas allemand, au final, moi je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, encore une fois c'est mon avis, donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un des plus gros points, enfin le cinquième point négatif du coup, on n'en est pas encore arrivé au point. Par contre, cinquième point positif, la littérature. Et oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même vision de littérature qu'en France, qu'en cours de français. Et cette vision-là de la littérature, beaucoup plus proche de la matière, j'ai trouvé que français était beaucoup plus artificiel et scolaire. Je sais pas comment expliquer mon sentiment, mais en littérature allemande, on allait vraiment mieux comprendre les textes et mieux comprendre comment on fait un texte et comment les mots peuvent avoir un effet et comment les mots agencés différemment peuvent avoir un autre effet, et comment faire passer des sentiments. Et le fait que ce soit en allemand, donc une langue qu'on apprend, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant quand même, de voir comment on construit tout ça en allemand, et du coup ce qui fait que maintenant, en français, ça m'a beaucoup amélioré aussi, maintenant, quand j'écris, j'ai beaucoup plus conscience des mots. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça c'est vraiment un point positif que j'ai découvert dernièrement en fait, quand j'écris de plus en plus, et c'est vraiment très très bien. Et ça m'a donné une autre vision sur la littérature, ce qui fait que maintenant je me mets à analyser toute seule aussi un petit peu certains passages. Quand il y a des passages qui me plaisent, j'essaye de comprendre pourquoi ils me plaisent dans le style. Qu'est-ce qui fait que je trouve ça bien? Et ça, jamais je l'aurais fait, je pense, si j'avais pas été en EBAC et j'aurais été une matos qui déteste la littérature. Maintenant, c'est pas le cas. Et du coup, ouais, ça m'a donné une autre vision sur la matière, et ça, c'est vraiment cool. Prochain point positif, non négatif, prochain point négatif, donc le numéro 4 des négatifs, ça a toujours été comme ça. Alors ça, c'est une phrase que j'aime pas en temps normal. Et elle était très 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 présente en AVIVAC. Dès qu'il y avait un petit reproche qu'on voulait faire, ou une amélioration qu'on voulait faire, ou quelque chose qu'on voulait suggérer, ou qu'on essayait de comprendre, on nous répétait, bah non mais ça a toujours été comme ça, ça fait 11 ans qu'il y a des abibacs, ils s'en sont très bien sortis, donc il n'y a pas de raison que vous vous en sortirez pas, etc. Et ça, c'est très frustrant. Parce que, évidemment qu'on s'en est sorti et qu'on va avoir notre abitur et tout, mais ça veut pas dire que ça peut pas être amélioré. Et ouais, ça c'est un sentiment qui m'a vraiment dérangé, c'est pour ça que je le mets là, et je le mets aussi haut. Parce qu'en fait, ça a un peu une implication sur toutes les autres trucs, sur toutes les autres reproches que j'ai à faire à la VIBAC, c'est que puisque on veut pas changer, parce que ça a toujours été comme ça, on n'a pas cette volonté d'essayer de faire améliorer les choses, etc. Ce qui fait qu'il y a une grosse inertie, et voilà. Ça c'est un des reproches principaux que j'ai à faire, c'est
de pas essayer d'améliorer le truc au fil du temps parce que ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. Alors qu'au final, ça fonctionne pas forcément tant que ça. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Mais voilà, ça, j'y peux rien. Mais c'est un gros reproche. On arrive au plus gros reproche, mais on arrive aussi aux meilleures choses, les plus positives. C'est les voyages. Ah mais ça c'est trop bien. Et c'est aussi pour ça qu'on va en habit back. Même, en fait non, c'est pas pour ça qu'on va en habit back, puisque je ne savais pas qu'il y avait des voyages. Mais en tout cas, les voyages, le voyage en première et en terminale, celui de terminale on n'a pas pu le faire, mais celui de première, juste le fait d'avoir un voyage en première et en terminale prévu dans le cursus, d'aller en Allemagne pendant une semaine avec le lycée partenaire et tout, c'est incroyable, c'était vraiment trop trop bien, Weil. Faudrait que je vous fasse une vidéo dessus, on en a un peu parlé dans le film. Mais j'ai pas mal d'images parce que je voulais faire une vidéo quand j'étais à Weil en fait. Je voulais faire une vidéo sur Weil et je l'ai jamais fait, mais j'ai tous les fichiers du coup. Et maintenant que j'ai mes compétences en montage et que j'ai le temps, ben, je vous ferai une vidéo sur Weil. Et un an après, en plus ça va être rigolo de se replonger dans tout ça. Mais ouais, c'était trop bien, vraiment. Et se plonger dans cette culture-là, c'était incroyable. Le point suivant, négatif, c'est le manque d'informations et de communication. Rien que là, je vous disais, je savais même pas qu'il y avait un échange en première en terminale. Je savais même pas qu'on avait un lycée partenaire. Et je savais même pas que pour attendre, enfin, un lycée à l'UBAC était obligé d'être en lien avec un lycée allemand. Enfin, avec un gymnase en Allemagne. Ça, je savais même pas. Et il y a tellement de choses que je savais même pas. La revue, je savais vaguement qu'il y avait une, mais jamais j'étais allée voir. Le réseau, pareil. Il y a eu quelques trucs qu'on a fait avec Madame Nouvelle, mais sinon, je savais pas ce que c'était, je savais même pas qui y avait dans le réseau. En fait, ça vient un peu avec le point d'avant, c'est que ça fait longtemps que... Au final, c'est pas si vieux que ça, mais c'est quand même un peu vieux la BIVAC maintenant, et donc en fait, les profs, ils prennent les trucs comme évident, sauf que toi, t'es là, t'es nouveau, tu sais pas. Tu sais pas, en fait, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le documentaire, pour ce besoin d'apprendre des choses sur les bacs, et même encore maintenant, même après toutes les recherches que j'ai fait et tout, j'ai encore des questions. Il y a encore plein de choses que je sais pas comment ça fonctionne. Et rien qu'hier, j'ai accompagné mon frère à une réunion d'information, parce que mon frère en troisième rentre en habit bac l'année prochaine, et même dans sa réunion d'information, t'es là, mais non, enfin, les informations qu'on donne, t'es à côté de la plaque en fait, tu te rends pas compte, les parents, quand tu connais rien de ce qu'on a besoin de savoir. Et ouais, c'est pour ça que j'ai fait le documentaire, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en train de vous parler à une caméra, c'est pour ça que je veux faire des vidéos, c'est pour expliquer tout ça. Donc voilà, je regrette le manque de communication parce que ça pourrait régler beaucoup de problèmes, je pense. Après, quand une fois c'est pas de mon ressort, mais voilà, ça c'était un gros point négatif pour moi. Ensuite, gros point positif, c'est l'échange SOSE. En tout cas, l'échange de 3 mois à la fin de la seconde qui est prévu dans le cursus, parce que normalement on devrait rater 3 mois de seconde pour faire ça, mais là c'est prévu, c'est fait exprès pour. Et c'est une expérience, vraiment, c'est jusqu'ici la meilleure expérience que j'ai. J'ai changé le cadrage pour les deux derniers qui restent, parce que bon, je m'étais rendu compte que le cadrage n'était pas forcément ouf. Mais là, bon, je fais comme je peux, écoutez, c'est pas grave. Le reproche numéro 2 sera une photo non contractuelle. On nous donne une fausse image en fait de ce que c'est, une sorte d'image d'élite. Mais pas élite dans le sens positif, élite dans le sens... Je vais prendre un exemple. Dans la réunion d'hier, pour expliquer qu'on pouvait continuer à faire des activités, les profs ont pris l'exemple d'une fille, je sais pas quelle année, qui a continué à faire du latin, du grec, du violoncelle, tout en faisant la bivac. Ça fait vraiment... Je sais pas, j'aime pas cette façon de présenter les choses, parce que oui, on peut garder des... Évidemment qu'on garde des activités, mais t'es pas obligé de prendre l'exemple de la fille qui a fait latin, grec et violoncelle, quoi. C'est... Je sais pas.
Moi, ça m'a un peu énervé de donner cette vision détachée en fait de la réalité. Parce que non, on fait pas latin, grec et violoncelle. On peut très bien faire n'importe quelle activité. Et je sais pas. Ouais, cette image qu'on donne, ou même typiquement quand je vais vous donner un peu des making of du documentaire, j'ai voulu filmer un cours d'histoire de seconde pour montrer à quoi ça ressemble un cours d'histoire de seconde. Ça s'est mal passé et du coup il est pas dans le documentaire et je pense pas le publier. Mais typiquement le professeur voulait faire passer des élèves au tableau et il voulait faire passer que des élèves bilingues parce que je filmais. Bah non, en seconde, il n'y a pas que des élèves bilingues. Et vouloir mettre en avant les quelques bilingues dans la classe pour donner cette image, non, je suis désolée, c'est contre-productif, enfin c'est contraire à ce que je voulais montrer, qui était la vérité de truc. Et du coup, ouais, je pense que c'est le reproche principal parce que c'est en lien avec tous les autres. Pareil que le point numéro 3, c'est que si on présentait la bibac comme c'est vraiment, quand on y arrive dedans, on n'a pas cette espèce de désillusion de ce que c'est vraiment. Et au final, on se serait directement attendu à ce que c'est vraiment et on aurait eu même beaucoup moins de pression en fait. Et ça, c'est un des plus gros reproches que j'ai à faire. Par contre, d'un autre côté, on arrive à la meilleure chose, la deuxième meilleure chose de la bibac. Ça a été pour moi l'histoire géo. Alors l'histoire géo, je n'aimais pas avant de rentrer en ABIBEC. Et là, j'ai eu une grande découverte pour la matière. Cet aspect européen dont on a pu développer dans le documentaire, donc je ne vais pas développer maintenant, mais je suis totalement d'accord avec ça, que ça nous donne une autre vision de l'histoire. Et même j'ai trouvé l'histoire plus comme science sociale que comme apprentissage des connaissances. Et ça, c'est tellement bien. Franchement, c'est vraiment ma matière préférée aujourd'hui. Cette année, ça a été ma matière préférée, en tout cas, à l'école. Je continue à me documenter sur l'histoire, la géo, et c'est presque en fait comme de la géopolitique du passé qu'on a fait plus que comme de l'histoire, parce qu'en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut voir dans un point de vue global et juste s'intéresser à la France ou juste s'intéresser à l'Allemagne, on ne peut pas comprendre ce qui se passe vraiment. Le fait de se mettre à la place et d'essayer de comprendre directement avec des témoignages et tout, c'est incroyable. Et c'est cette vision qu'a Sébastien Hafner, par exemple. Et ça rentre totalement dans cette vision-là. Et ça, c'est trop bien. Franchement, en plus, ça a été ma prof préférée, ma prof d'histoire géo en AVBAC. Et des 2 années, et voilà. Largement, et c'était vraiment des très très bonnes heures. Si ça s'était passé comme en littérature, en histoire géo, je sais pas si j'aurais eu autant de motivation et si j'aurais pu être une si bonne élève, mais c'est vraiment l'histoire géo. Même en seconde, en fait, j'ai appris l'allemand en histoire géo et pas en allemand. Pour moi, les heures d'histoire géo, ça a toujours été les meilleures heures, et c'est trop bien, vraiment. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment une grosse révélation. On en arrive au plus gros point négatif de mon expérience en ABIVAC et ce point-là, ainsi que les autres points négatifs, fait que je peux pas dire que l'ABIVAC a été 100% bien, que j'ai adoré cette expérience. Non, j'ai pas adoré cette expérience. J'adore cette expérience que depuis cette année. La seconde a été la pire année de ma scolarité. J'ai vraiment très très mal vécu cette année et en grande partie pour ce point-là, qui est la classe ABIBEC. Avant d'entrer en ABIBEC, justement, on nous présente l'ABIBEC comme une famille, tout le monde s'entend bien, c'est génial, l'ambiance est incroyable, c'est les personnes les plus ouvertes d'esprit, je sais pas. Pas quoi, enfin une très 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 bonne image de la classe et de l'ambiance. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui change beaucoup entre les personnes et
C'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, je n'ai pas aimé ma classe d'habibac. Et j'ai aucun honte à le dire, c'est pas très grave, parce que maintenant je suis détachée. Mais quand en seconde, on est toutes les heures avec cette classe-là, et que on connaît personne d'autre dans le lycée, parce que vu qu'on est en habibac, ça fait, en tout cas en seconde, ça fait que on est renfermé sur nous dans l'habibac parce qu'on est tout le temps avec eux. Et contrairement aux autres secondes, qui peuvent beaucoup plus s'ouvrir et voilà, nous on est quand même à part. Et du coup, voilà, j'ai très très mal vécu ma seconde parce que j'étais que avec les habibacs. Après en première, on n'était plus que avec des habibacs. On a eu une classe normale et on allait en habibac que pour les cours habibac. Donc ça s'est beaucoup mieux passé. Et en terminale, là, je me suis complètement détachée de ma classe, donc voilà. Mais je peux pas nier que l'entourage que j'ai eu n'a pas été optimum. Et que je pense que c'est la raison principale pourquoi je n'ai pas aussi bien vécu mes années d'habibac que j'aurais pu le vivre. Et je sais que je suis pas toute seule comme ça, mais moi je j'ai aucune honte à le dire parce que c'est pas grave et c'est. Mais c'est juste que je suis tombée de haut parce que je m'attendais pas à ça. Et voilà, on nous avait tellement vendu le truc que la classe habibac est incroyable que je pensais que ça allait. Enfin, je pouvais pas imaginer à quel point j'ai eu des difficultés avec cette classe, beaucoup plus que les classes normales. Globalement, c'est parce que on qualifie de classe habibac en fait le noyau. Sauf qu'en fait dans une classe de 20, il y a 15 personnes qui constituent la classe habibac. On peut pas dire que les 5 dernières c'est pas des habibac, ça constitue quand même un quart de la classe et c'est énorme. Et rien que le fait qu'on se voit, qu'on nous dit ouais 6 ans après ils se voient toujours et tout, bah non, ça correspond pas à tout le monde. Et voilà, réduire les habibac à un profil particulier d'habibac, moi ça m'a gâché mon cursus. Mais voilà. J'espère vraiment que ça va pas être le cas de tout le monde et j'espère vraiment que vous allez vous entendre avec votre classe et que ça va être incroyable. Mais pour moi ça a pas été le cas. Et ça a été les personnes les plus hypocrites et les moins sérieuses que je connaisse. Parce qu'en fait, les habibac étaient beaucoup moins sérieux que les classes tronc commun en général. Les deux classes tronc commun que j'ai eues, c'était tout le temps les habibac qui foutaient la merde. Et ça, ça au début j'ai eu du mal avec ça. Aujourd'hui ça va, mais en fait on a eu tellement de liberté en seconde parce que de par notre statut à part en fait d'habibac, et notamment les internes qui sont tout le temps au lycée et tout, qui fait qu'ils ont pris des libertés. Vraiment. Et pendant les cours, arriver en retard tout le temps, parler, c'est des choses que si t'es pas en habibac, tu te fais cadrer par les professeurs. Et c'est pas un mal, je veux dire, tout le monde comprend que pour continuer un cours, les professeurs ont besoin d'un peu cadrer. Sauf que les habibac, on les a jamais cadrés. Et ça a eu plein de conséquences négatives, et voilà. Donc, non, pour moi, l'habibac n'a pas été le. En fait, j'ai réussi à détacher maintenant les cours habibac de ce que m'a apporté l'habibac. Et donc, même si j'ai passé de mauvaises heures, sauf en histoire géo, où souvent ça allait, mais au global, je n'ai pas apprécié les cours. Par contre, ce que les cours m'ont apporté, c'est quelque chose d'autre. Et là, c'est incroyable. Mais voilà. Je pouvais pas ne pas en parler. Parce que non, ça se passe pas forcément bien. Et si ça se passe pas bien, ça veut pas dire que l'habibac, c'est pas bien. Parce qu'au final, je recommande à tout le monde de faire un habibac. Vraiment. Et j'aurais pas fait le documentaire sinon. J'ai vraiment envie de partager cette expérience et voilà. Mais c'est pas tout rose. Le truc le plus important et le meilleur point positif, c'est apprendre l'allemand. C'est pour ça qu'on y va et ça marche vraiment.
Et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Et je regrette pas du tout d'être venue en ambivac. Juste, j'aurais voulu, en fait, avoir une autre vision quand je suis venue en seconde. C'est plutôt ça. Et c'est pour ça que j'ai fait le documentaire. C'est pour ça qu'hier, à la réunion, j'ai pu donner une autre vision que les professeurs, aux parents et aux élèves. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui. Mais c'est le rapport à la langue que l'on développe, que j'ai développé, est totalement différent d'un cours de LV2. Quand je compare avec des amis qui aiment bien l'allemand, mais leur cours de LV2 à 2 heures par semaine, au final ils parlent pas allemand. Et c'est normal avec un tel enseignement, mais c'est pas comme ça qu'on apprend une langue, quoi. Et nous, on est baigné dedans, on apprend l'allemand tout le temps, on entend ça tout le temps, même pendant les cours. Enfin, 11 heures, c'est énorme. Et même si je disais que je m'ennuyais beaucoup, ce qui est le cas, mais il y a des verbes que j'ai appris, il y a des expressions qu'on a tellement entendues qu'au final, maintenant, bah, ça me vient tout seul, alors qu'au final, je la connais même pas forcément. Genre, il y a des fois, dans une situation, je sais que c'est ce mot, mais je le connais pas, et du coup, je vais chercher sa traduction, et effectivement, c'est ce mot. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est surtout le faire sans s'en rendre compte, parce qu'au final, j'ai pas travaillé tant que ça. Les cours à Bibac en soi, j'ai plutôt préféré passer mon temps à lire en allemand, à approfondir l'allemand, à écouter des podcasts, des films, que à travailler scolairement. Parce qu'au final, les 11 heures me suffisaient largement pour le côté scolaire. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, chacun travaille comme il veut. Mais en tout cas, c'est ça qui a marché pour moi. Et bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais l'IBVAC, le meilleur point positif, c'est d'apprendre l'allemand, parce que bah, c'est pour ça qu'on est là, quand même, à la base. Et ça marche très très bien pour ça, vraiment. Donc je vais arrêter cette vidéo-là, c'était un peu dur vers la fin, pour moi. Mais j'espère que ça a pu vous montrer que je fais pas de la propagande, et que je suis capable de remettre en question les choses. Et oui, j'ai des choses à redire contre l'IBVAC, mais comme tout, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, et c'est pour ça que j'ai choisi ce format où je disais une chose négative, une chose positive. Même si j'ai développé peut-être un peu plus les points négatifs, parce que les points positifs, en fait, c'est le documentaire et c'est les interviews, et je suis d'accord avec tout ça dans l'ensemble, donc j'ai peut-être passé un peu plus de temps, donc là, on a peut-être l'impression que c'est plus négatif, parce que c'est là où j'avais besoin d'un peu plus expliquer ce que je veux dire. Mais non, je suis hyper contente d'avoir fait un bivac et ça a été une expérience de fou. Et je vais pas arrêter ces vidéos ici, j'ai encore plein de choses à dire et à vous partager. Et même si aujourd'hui c'est pas forcément la vidéo la plus joyeuse, j'espère que ça aurait pu intéresser certains. Et j'espère que les points négatifs que j'ai eus, vous les aurez pas. Et que vous allez passer 3 années formidables. Et ça, je vous le souhaite vraiment, et normalement il n'y a pas de raison. Clément, tu peux fermer ma porte et éviter de faire plein de bruit, s'il te plaît? Parce que je tourne. Salut les gens. Elle a coupé son montage, je sais, mais au revoir.